Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose cette 22e vidéo. Alors, ça va composer plusieurs textes. On va revenir à un format un petit peu plus long. On verra bien si ça bouge ou pas. L'enjôleur de songes. La bougie allumée, je peux m'asseoir. À l'heure des doux songes, je viens vous conter mon histoire. L'histoire des heures qui s'allongent quand vos tristesses deviennent espoir. J'écoute, dans le noir, au-dessus de vos têtes, le récit de vos aventures oniriques. Et quand un cauchemar sur vous s'arrête, je viens vous secourir. Je suis magique. Quand j'entends l'enfant sourire au pied du sapin de Noël, les yeux ensoleillés, le cœur émerveillé, que pourrais-je de plus lui offrir qu'un peu de temps, de bleu au ciel, pour prolonger ses rêves et son plaisir? Quand j'entends le papa grogner contre ses ennuis du jour, soudain transformé en monstres évadés, je l'envoie jouer, regagner le doux temps des amours et revivre un instant ses belles années. Quand j'entends la maman inquiète de son avenir, celui de ses enfants, tendre épouse apeurée, de mauvaise éducation soupçonnée, je la couvre de joie, je l'habille de fête, je l'emmène au bal rejoindre son prince charmant, vêtu pour un moment de bijoux et de paillettes. Quand j'entends les grands-parents souffrir du temps qui s'accélère, la vie trop courte, précipitée, dans un trou noir, asphyxiée. Alors, au firmament, je les envoie dans le monde imaginaire. Il n'existe pas le temps. Ce monde nous appartient, mais moi seul en connais le chemin. Je peux vous en donner un point, si vous me promettez de rester des enfants. Je souffle la bougie dans la lumière du soir. Je reviens de m'asseoir. Le 23 novembre 1999 m'est venu, comme un mirage, ce texte que je trouve toujours joli. C'est le 6e texte du document Prod 010. Se dire que chaque nuit, quand le sommeil de quelqu'un risque de virer au cauchemar, il y a ce personnage qui vient, tout changé en rêve. C'est magnifique. C'est rassurant, et chaque sommeil est commencé avec joie et apaisement. Alors, second texte. L'esprit en villégiature. J'ai eu un petit blanc parce qu'en fait j'avais fait un copier-coller la 21e vidéo bis et j'avais encore des restes du texte de la fois d'avant. Voilà, c'est pour ça que vous me trouvez un petit peu coincé. Alors c'est toujours du direct. Je veux dire, je retouche pas les vidéos ou quoi que ce soit. C'est de l'instantané, hein, comme quand j'écris. C'est pour ça que vous avez des surprises, moi aussi en même temps. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. C'est reparti. L'esprit en villégiature. Il est de ces lieux où l'on s'aimerait à vivre. Un beau ciel bleu, une terrasse, un bon livre. Des oiseaux qui s'appellent, des fleurs qui parfument. De doux battements d'ailes dans la douceur, des plumes. Des couleurs par milliers, des présences gracieuses. Des objets familiers qui deviennent pièces précieuses. Une fontaine, un bassin, des marches à l'ancienne, des pierres du Gard et au lointain, la mer qui se promène. En 2001, j'étais président d'une association, le CAB, Centre d'animation de Benoît. Dans le cadre de nos diverses animations, nous avons organisé une exposition de tableaux de peintres amateurs de la commune. J'ai eu l'occasion de découvrir les tableaux avant le public et cela m'ont inspiré une trentaine de textes. L'esprit en villégiature est un de ces textes. Je l'ai écrit le 28 février 2001. C'est le 19e texte du document Prod 017. Voilà. Comme le font tous les amoureux, nous avons traversé les temps comme le font tous les amoureux. Et sur l'autre rive, au ciel du printemps, comme le font tous les amoureux, nous nous sommes donnés, et le corps et le temps. Ton ombrelle fleurit, ma casquette, comme le font tous les amoureux, pardon, abandonnée à la sauvette, comme le font tous les amoureux, nous nous sommes donnés, et la fleur et la tête. Ta robe blanche, mon pantalon velours, comme le font tous les amoureux, sont froissés, éparpillés aux alentours, comme le font tous les amoureux. Nous nous sommes donnés, et le plaisir et l'amour. Ton corsage, tes bas et mon caleçon, comme le font tous les amoureux, sont couchés de tendre façon, comme le sont tous les amoureux. Nous nous sommes donnés et la fièvre et les frissons. Nous nous revêtons encore à le temps, comme le font tous les amoureux. Nous nous préparons en nous embrassant, comme le font tous les amoureux. Et nous retraversons et le ciel et les temps. 26e texte du document Prod 017, je l'ai écrit le 3 mars 2001.
également en m'inspirant d'un tableau de cette exposition. Je vous propose de remettre cette vidéo, de fermer les yeux et d'essayer d'imaginer le tableau que je raconte. Et si vous dessinez ou vous peignez, allez-y et postez votre tableau. Je serai heureux de le découvrir. Voilà. Alors, ce texte est intéressant parce que depuis quelques jours, je lis des nouvelles de Maupassant, dont une qui parle justement d'amour sur une île entre deux couples. Voilà. Je n'ai plus le titre en tête, mais voilà. Donc c'est vrai que ça me le rappelle un petit peu. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà. Pour moi, je vais être en week-end ce soir, puisque mes vacances se terminent aujourd'hui. Je reprends lundi. Donc je vous souhaite et je nous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Tac.